Pas d'accord sur le gaz entre la Russie et l'Ukraine. Moscou promet ce matin de couper l'alimentation à Kiev dès 8h, heure de Bruxelles, si le gouvernement ne rembourse pas sa dette. L'Union européenne jouait les médiateurs dans ce dossier pour cause. La majeure partie du gaz à destination de l'Europe passe par le territoire ukrainien. Mais voilà, Kiev et Moscou ne s'entendent pas sur le tarif applicable. Lorsque l'ancienne République soviétique était proche du Kremlin, elle bénéficiait d'un tarif préférentiel de 268 dollars les 1000 mètres cubes. Aujourd'hui, Gazprom veut lui appliquer le tarif le plus cher du marché à 485 dollars les 1000 mètres cubes.